amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la perte de poids. On va essayer de dissocier quelques éléments importants pour comprendre qu'est-ce qui est important dans la perte de poids. Il y a plusieurs éléments, donc de règle générale, qu'est-ce qui est perte de poids? Manger moins que nos donc sorties d'énergie, donc créer un déficit calorique. Par ce biais, on peut créer donc un déficit calorique de par une restriction alimentaire ou du par en fait une optimisation de dépenses. Le but, c'est d'avoir en fait un peu des deux. C'est-à-dire avoir un peu de dépenses énergétiques et en même temps de contrôle sur notre alimentation. Le problème, c'est que lorsqu'on va chercher purement la restriction calorique, on va créer des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis spécialisé là-dedans depuis des années et je remarque qu'à travers toutes les demandes de coaching que j'ai, beaucoup de personnes souhaitent perdre du poids en créant donc des déficits caloriques importants par restriction en fait alimentaire qui les amène à, ni plus ni moins, créer des troubles comportement alimentaire par des grignotages, par des craquages alimentaires, donc de l'hyperphagie ou de la boulimie. La boulimie, l'hyperphagie étant, on va dire, des éléments un peu cousins, et la boulimie est plus récurrente, où on va vraiment avoir là, dans ce cas-là, un élément où on va se manger pour se sentir plein, manger parce qu'on a un sentiment qu'il nous manque quelque chose dans la vie. Autrement dit, on ne mange plus dans une notion de s'alimenter par rapport énergétique, mais au point de vue de ses émotions. C'est ce qu'on appelle manger ses émotions, avoir une alimentation émotionnelle. Pour revenir au fond du sujet, lorsque vous êtes amené à avoir un déficit calorique, à avoir donc une restriction calorique, soyez vigilant à ne pas rentrer en dessous d'apport énergétique en rapport à votre métabolisme basal. Votre métabolisme basal, c'est très simple. C'est toute l'énergie que votre corps a besoin, du cerveau, cœur, système entérique, les organes pour vivre. Dès lors où vous allez rentrer dans une alimentation hypocalorique, une dénutrition en soi, votre peau, vos cheveux, vos ongles, en fait, toutes les parties organiques secondaires de votre organisme ne vont pas être alimentées. Il y a une deuxième notion qui est importante, c'est que lorsque vous allez être en forte restriction calorique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à augmenter votre ghréline, donc c'est l'appétit, les hormones de l'appétit, et limiter les hormones de la satiété, la leptine. Donc soyez très vigilant à ne pas vouloir cesser de manger ou créer des zones de limitation, on va dire, alimentaire forte, de forte restriction alimentaire, dans une optique de perte de poids. Ne confondez pas perdre du gras et perdre du poids. Beaucoup de gens sont amenés à être focalisés sur la balance. Balance, balance, balance. 60 kilos, non, 62 kilos, 63 kilos. À l'inverse, 60 kilos, 59, 58. Hop, victoire. Je vais manger tout et n'importe quoi. La balance, on la balance. Pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des personnes qui n'arrivent pas à se gérer émotionnellement, des personnes qui attribuent trop d'importance sur le poids, qui se pèsent peut-être plusieurs fois par jour, pas par semaine, par jour, votre balance est votre pire ennemi. Mais par contre, quels repères vous avez? Sans même avoir un mètre donc de couture pour vous mesurer les mensurations, les fringues. Là, j'ai un sweat, j'ai un t-shirt, j'ai un pantalon avec un ancrage spécifique au sein donc du cranté de la ceinture. Mais qui vous empêche d'avoir ces repères absolus, d'avoir des vêtements tests? Ayez des vêtements tests, des repères absolus qui vous permettront de jeter votre balance. Parce que votre balance, c'est votre pire ennemi. Je ne connais personne, avec des centaines, voire des milliers de personnes que j'ai pu suivre, qui, avec la balance, à un bon relationnel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès lors où on va se dire, non, si je dépasse 50 kilos, je suis une grosse vache. Alors que je suis 1m70, 70 kilos, il y a un rapport donc de taille, tout poids, qui est complètement, on va dire, très bas, très limité, ce qu'on appelle l'IMC. L'IMC pour une personne non sportive et une personne conventionnelle, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, le rapport donc IMC par rapport à une personne, un culturiste surtout, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, on va plutôt correspondre à une composition corporelle. Masse maigre, masse osseuse, masse hydrique, masse graisseuse. Mais pour revenir au fond du sujet, lorsque vous êtes amené à vouloir créer un déficit calorique qui n'est pas en rapport à une restriction calorique, optimisez vos dépenses, optimisez votre marche, optimisez vos déplacements, pardon. Donc, par exemple, au lieu de prendre l'ascenseur, prenez l'escalier. Au lieu, lorsque vous êtes dans les grandes villes, au lieu de vous arrêter juste en bas de votre immeuble, peut-être demander au taxi ou au Uber de s'arrêter peut-être 500 mètres avant.
sortez peut-être un métro avant. Autrement dit, augmentez vos dépenses. Pour une personne, par exemple, qui est tout le temps sédentaire, qui reste chez lui ou bien, donc moi, une grande partie de mon travail, je travaille à domicile. Et une autre partie, je suis un peu en déplacement. Mais la grande partie, je suis obligé de rester assis. Mais je me force à marcher. Je me force à avoir des appels téléphoniques en marchant, en me communiquant. Lorsque je suis en salle de sport, pendant, si je reste 1 heure et demie, mais pendant 1 heure et demie, je reste debout. Autrement dit, j'optimise le temps. On ne peut pas augmenter le temps, on peut optimiser ce qu'on fait dans son temps. Par rapport à des personnes qui sont sédentaires, lorsque vous allez à la salle de sport, ne négligez pas le travail cardiovasculaire sur, par exemple, du rameur, sur la corde à sauter, sur un vélo elliptique, sur un vélo, sur un tapis de course. Ayez des bonnes chaussures aussi. Pourquoi? Parce qu'une personne sédentaire va augmenter tous les mécanismes physiologiques qui l'amènent à une malade, des maladies métaboliques. On va avoir mal au dos aussi. On va avoir des douleurs articulaires parce que on ne les utilise pas. Le cardio pour perdre du poids est un outil, comme l'alimentation pour perdre du poids est un outil, comme la marche est un outil, comme la musculation est un outil. Donc de dire que le cardio va faire perdre du poids, c'est comme si je dis que, par exemple, la lettre A est une lettre de l'alphabet. La A en tant que telle, elle sert pas à grand-chose. Mais par exemple, on peut la retrouver dans plein de mots. Donc tout simplement, le cardio, vous pouvez le retrouver dans plein de travaux, donc de programmation d'entraînement, à condition qu'il soit bien utilisé. Mais par contre, une personne qui est tout le temps en mouvement, qui fait 15 000 pas par jour, qui a une activité annexe, qui est tout le temps en mouvement, de faire du travail cardiovasculaire, n'a de sens que si ça l'aide dans sa progression au sport. Mais dans une optique de perdre du poids, non. Il faut savoir qu'une personne qui est très très en activité, qui est tout le temps en mouvement, qui a une, on va dire une, ce qu'on appelle le NEAT, une dépense énergétique moyenne dans la journée qui est très élevée, aura très peu de chances d'être en obésité. Les personnes que je suis, qui sont en général en surpoids ou en obésité, sont des personnes à la base qui sont très sédentaires ou bien très stressées. Et maintenant, ça va être le dernier point que je vais vous parler dans cette vidéo, parce que je ne veux pas qu'elle soit longue, mais plutôt concentrée en fait d'informations. C'est simplement votre stress. Il faut savoir une chose, le stress, c'est le pire ennemi de la perte de poids. Lorsqu'on parle de perte de poids, c'est créer un stress au corps, c'est du viré coco. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu étais dans l'abondance absolue. Je t'ai donné tout ce que tu voulais quand tu voulais. Mais maintenant, on va changer en fait les règles du jeu et je vais maîtriser tes apports. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez commencé à créer du stress. Du stress psychologique, du stress physique. Le corps, jusqu'à présent, vous lui apportez en abondance tous les macronutriments et les micronutriments si votre alimentation n'était pas trop naze, ultra transformée. Et à part cela, avec moins, il doit faire pareil. Avec moins, il doit faire pareil. Donc la priorité déjà, c'est limiter votre stress au quotidien. Parce que vous allez augmenter le stress physiologique. Maintenant, pour limiter le stress physiologique, comment faire? Dormez bien. Vous pouvez très bien dormir peu, mais dormir bien, ça veut dire quoi? Vous êtes dans une pièce au noir, avec une fraîcheur standardisée, entre 18 et 20 degrés max, avec en termes d'audio, une imitation des bruits ambiants. Et à part cela, vous pouvez bien dormir. Mais vous pouvez très bien rester pendant 10 heures au lit, en faisant comme ça, en éveillé, pas dormir, se lever, pisser, manger quelque chose. Et là, votre sommeil de 10 heures ne sert à rien. Donc, dormez bien, dormez mieux. Il y a des applications qui vous permettent de traquer vos sommeils. Par exemple, pendant 1 à 2 semaines, traquez vos sommeils. Vous avez des petits bracelets de la sorte qui permettent de traquer vos activités. Si par exemple, vous êtes un peu perdu au niveau de votre cycle de sommeil. Ne vous couchez pas trop tard. Beaucoup de personnes se couchent 1, 2, 3 heures du matin et se lèvent donc à 9h, 10h et au final, ils n'ont rien fait de la journée parce qu'ils sont crevés. Respectez votre cycle circadien. Un autre élément, au quotidien, ne soyez pas tout le temps stressé pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez très bien être stressé pour des choses qui ont du sens, mais pour des éléments qui n'ont pas beaucoup de sens et qui ne veulent rien dire, en finalité, par rapport au long terme, ne vous attardez pas. Ne vous stressez pas pour des choses qui vous fassent perdre du temps, qui vous font perdre du temps, pardon, et de l'énergie. L'énergie, vous ne pouvez pas la multiplier. L'énergie, ce n'est pas quelque chose qui est créateur que vous pouvez faire à l'imiter. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, en effet, vous pouvez faire les choses de façon, entre guillemets, illimitée. Mais lorsque vous êtes dans une certaine contraignance, lorsque vous avez des éléments où vous devez vous-même avoir de la bonne volonté à faire les choses, si vous êtes stressé,
Si vous vous attachez à des choses négatives, c'est mort. Pour rebondir sur cet élément de choses négatives, idem. Ce qu'on appelle en thérapie comportementale cognitive, essayer de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que votre orientation d'esprit est très importante. C'est-à-dire que si votre orientation d'esprit n'est pas focalisée sur quelque chose de créatif, sur quelque chose de productif, sur quelque chose en fait de bénéfique, eh bien tout simplement vous êtes mené à vous couler tout seul. Tout seul, vous couler. Je remarque que beaucoup de personnes sont des experts là-dedans malheureusement et soyez menés à être très vigilants par rapport à vos pensées. Vous ne pouvez pas avoir une émotion sans mots attribués. Je m'explique. Je vais vous demander par exemple de faire une expérience très simple. Essayez actuellement d'attribuer une émotion sans injecter un mot spécifique. Par exemple, le terme joie ne peut pas exister si le terme joie n'existe pas, le mot joie. L'émotion joie ne peut pas exister sans par exemple penser au terme joie. Donc, si par exemple, je suis tout le temps en train de cultiver des mots tels que peur, des mots tels que nul, des mots tels que j'y arriverai jamais, eh bien, je me crée inconsciemment l'idée que je n'y arriverai jamais, l'idée que je suis nul, l'idée que c'est trop dur. Alors qu'inversement, je veux dire, je peux essayer, je vais réussir, je vais tenter de réussir, je suis dans une procédure de réussir, je n'ai pas encore réussi. Ces schémas-là de pensée va vous amener dans un schéma de production et non pas d'inversement de sabotage. Une autre idée par exemple, lorsque vous êtes amené à vouloir perdre du poids, mais que tous les jours vous regardez, vous dites je suis une grosse vache, je suis une grosse merde, tu n'y arriveras jamais, ça sert même pas, c'est même pas la peine d'essayer, un kilo de plus, un kilo de moins, qu'est-ce qu'on s'en fout. Vous vous mettez en fait dans un conditionnement d'échec. Alors qu'à l'inverse, vous dites putain, cette robe, elle est terrible. Ah, là, mon objectif, allez, go. 5 kilos dans cette robe, je serai nickel. Je serai très heureux. Ou bien, pour un gars, par exemple, j'en ai marre d'être un peu empâté. Cette fille me plaît bien. Bon, mais je vais essayer d'être plus beau, de m'aimer plus, d'avoir une meilleure confiance en moi, d'être mieux dans ma peau. Comme ça, cette fille-là va remarquer que je suis quelqu'un qui est cool, qui est bien dans sa peau. Peut-être qu'elle va accepter de parler à moi. Peut-être qu'elle va accepter qu'on sorte ensemble, etc. Autrement dit, trouver des goals. Trouver des objectifs qui, pour vous, ont du sens. Certaines personnes veulent juste perdre du poids. Pourquoi? Pour être à la plage. Et de nouveau, en hiver, ils s'empattent. D'autres personnes veulent être simplement en perte de poids. Pourquoi? Parce qu'ils ont un shooting photo. D'autres, pourquoi ils veulent être hypertrophiés, hyper musclés? Parce qu'ils vont faire une compétition. Mais trouver un objectif qui, pour vous, a du sens. Moi, par exemple, pourquoi je m'enchaînement? Parce que j'aime mon corps. Je sais que mon corps, je ne vais pas le changer toute ma vie. Hein, c'est pas à mes 40 ans, je vais me dire, bah écoute, ouais, non, c'est bien là, ce corps il est un peu pourri, hein, je l'ai cassé un peu trop, en plus je suis obèse. Écoutez, je vais donc, par exemple, une agence commerciale, j'aimerais changer de corps, je veux un corps d'un mec de 20 ans athlétique, 1m80 beau gosse. Non, monsieur, ça n'existe pas. Donc, vous-même, vous avez un propre corps, prenez en soin. Moi, personnellement, j'en ai conscience, j'en prends soin. Je prends soin aussi de mes pensées. Pour résumer cela, j'aimerais que vous vous attardiez sur quelques lectures. Il y a ce livre qui s'appelle « Maigrir grâce à l'auto-hypnose ». L'auto-hypnose, je vous donne un exemple très concret, je suis en train de conduire. Et pendant que je conduis, mon esprit, en fait, s'égare ailleurs. Il est ailleurs pendant les vacances. C'est ce qu'on appelle un état d'hypnose. Maintenant, l'auto-hypnose, admettons, je suis à la salle d'entraînement. Je me conditionne dans l'idée que je suis, par exemple, un champion du monde d'haltérophilie et que la barre de 200 kg que je vais soulever, ben, elle est comme ça et j'ai déjà fait 1000 fois. Je m'auto-conditionne dans ma tête d'une réalité qui n'existe pas. C'est un travail d'auto-hypnose. Donc, ce travail d'auto-hypnose, en réalité, peut exister dans tout domaine. Le domaine de la finance, le domaine relationnel, le domaine professionnel. Donc, ce livre, je vous le préconise. Un autre livre qui va dans ce sens, c'est « Le cerveau minceur » du docteur Yann Rougier. Idem, il faut savoir qu'une personne ne pourra jamais perdre du poids tant qu'elle n'a pas, en fait, rompu avec son passé. Ça veut dire quoi? Une personne, par exemple, qui est attachée au niveau des croyances qu'elle a eues dans son enfance par rapport à ses parents qui lui disaient « Non, non, mais là, tu manges pas assez, il faut que tu manges pour être fort, patati, patata. » Ou inversement, « Ma fille, tu es toute grosse, etc. Comment tu peux te rester dans cet état de lourdeur, tu es dégueulasse. » Pareil, on crée des blessures. Et toutes ces blessures-là, si elles ne sont pas guéries, vous ne pourrez pas perdre de poids. Maintenant, pour être un peu plus à même d'avoir une alimentation saine, équilibrée et simple, il y a deux livres qui sont intéressants. Il y a le livre
du docteur Joyeux qui est très accessible. Changer d'alimentation. Ce n'est pas forcément le mieux en termes de technicité, mais ce n'est pas le but d'être technique, puisqu'une personne qui a besoin de perdre du poids, elle s'en fout si il y a X grammes de protéines ou d'acides aminés dans du poulet. Elle s'en fout si dans le brocoli, il y a des éléments qui permettent en fait de limiter la satiété. Elle s'en fout si les chaînes de poulies insaturées de tel ou tel oméga sont oxydables ou pas. En fait, elle s'en fout de tout ça. Tout ce qu'elle veut, c'est perdre du poids. Et dans ce sens aussi, vous avez enfin le livre Anti-cancer du feu, David Servan-Schreiber, qui a écrit d'excellents livres, et il récapitule très bien comment avoir une alimentation saine et équilibrée au quotidien. Donc, soyez amené à être attentif à une chose. La perte de poids est bien plus complexe qu'en réalité un simple déficit calorique. C'est une prise de conscience de son alimentation, c'est une prise de conscience que vous devez être simplement dans un état émotionnel stable et équilibré, c'est une prise de conscience que vous devez bouger. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans des boîtes, nous ne sommes pas faits pour rester, on va dire, inertes, rester devant la télé, assis. Nous sommes faits simplement pour bouger, vivre, changer avec les gens qu'on aime, échanger avec nos amis, être en mouvement. Et à partir de là, vous allez créer un mode de vie, ce qu'on appelle un lifestyle américain, qui vous permet d'être au mieux de votre forme, forme mentale comme forme physique. Je vous dis à bientôt et merci encore.